Non, c'est bon. Alors avant de commencer le cours aujourd'hui, on va commencer par une parole du Ben Ishraï. On dit que Shlomo HaMelech était l'homme le plus sage sur terre. Vayarka Mikola Adam, Asher Lefanav, était plus intelligent que tout homme qui était avant lui. La Gemara nous dit même plus que Moshe Rabbeinu. En sagesse, pas en Ruach HaKodesh, en niveau de prophétie, en sagesse, Shlomo HaMelech dépassait Moshe Rabbeinu. Le Ben Ishraï pose une question simple. Tout le monde aurait dû la poser. On connaît les inventions qu'il y a aujourd'hui. Imaginez-vous les ordinateurs, la voiture, l'avion. Comment ça se fait que Shlomo HaMelech n'a pas inventé ça à l'époque s'il était l'homme le plus sage? Bon, on peut dire que toute sagesse se base sur des données de l'époque, oui, mais quand même avec sa sagesse, le Ben Ishraï répond une réponse intéressante. Il dit, à l'époque, les gens n'auraient pas pu savoir gérer des armes. Imaginez-vous l'armée nucléaire, il y a 2000 ans, avec les envies des nations de dominer le monde. Imaginez-vous qu'est-ce qui serait passé à l'époque. Il n'y aurait plus de monde. Donc il dit, Akadosh Baruch Hu a dévoilé ces notions, les a cachées de Shlomo HaMelech pour ne pas qu'il les fasse sortir à l'époque, pour ne pas détruire le monde. Avec le temps, Akadosh Baruch Hu donne des forces destructives. C'est vrai qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la bombe atomique? Bon, ils ont fait des choses terribles, ils ont tué une ville entière. Mais c'est pas comme l'époque. À l'époque, on aurait vraiment pu détruire le monde entier avec ses armes. Et Akadosh Baruch Hu donne la force. Quand dans le monde entier, il y a des idées humaines qui se réveillent, c'est là qu'on peut dévoiler des choses qui sont plus puissantes et plus fortes. Kadosh Baruch Hu ne veut pas détruire le monde. Donc il gère le monde de cette façon. Ça c'est par rapport à ce qui concerne les armes. Mais le Rav parle, chez nous, des idées qui sont venues dans le monde. Tous les ismes, le communisme, le socialisme, le capitalisme. Toutes ces idées qui viennent, en fait, chaque idée, quand elle a aidé la nation qui était collée à cette idée, elle a éclairé quelque part, elle a donné une définition à cette nation. Par exemple, vous allez me dire, ça c'est un Russe et ça c'est un Américain. Je vais les regarder avec les tendances. Celui-là, il doit avoir une tendance au communisme et l'autre doit avoir une tendance au capitalisme. Pas aujourd'hui, mais... Et quand je parle d'un Français, d'un Anglais, chaque nation, elle a un caractère, elle a quelque chose de spécial qui la caractérise, qui est spécifique pour cette nation. Et le Rav va expliquer pourquoi on a besoin de tout ça dans le monde, et pourquoi nous n'avons pas encore un caractère. Un juif, c'est plus compliqué de le reconnaître. Tu peux le voir, l'identifier. Tu vas dire, ah ça c'est un vrai français, finalement tu vas voir c'est un juif. Ou bien tu vas dire, c'est un anglais, finalement il va s'avérer. On n'arrive pas à l'attraper. Pourquoi? Parce que son âme... Mais l'israélien, oui, on peut l'attraper bien. Ça va. Oui, bon, parce que là, il est déjà après la Géoula. Il a déjà... Il a passé le cap. Oui, c'est pas caché. Alors il dit, on va arriver à tous ces points, il dit des points extraordinaires. Am Israël, il y a 2000 ans, a disparu de la scène mondiale, ne jouait plus la politique mondiale. N'était pas là pour être en place quand on prenait en considération le monde,
le juif n'est pas pris en considération. C'est vrai qu'il y avait des conseillers qui aidaient au roi, beaucoup de juifs qui sont arrivés au pouvoir, qui tiraient les fils. Mais jamais les juifs, pendant ces 2000 ans, n'ont pas pris une place sur la scène politique du monde. Pourquoi ? Le Rav nous explique qu'à l'époque, pour tenir sur la scène politique, il fallait verser beaucoup de sang, faire beaucoup de guerres. Attraper, avoir un pouvoir, ce qui est contrairement à un comportement sain de la Torah. Et Am Israël ne pouvait pas appliquer ce comportement pour rester. C'est pour ça qu'il y a eu un secret quelque part de la galoute. Pas forcément rien que d'après le peuple juif. Enfin, et pourquoi le peuple juif a souffert et pas les autres? Il va expliquer plus tard que ça vient à cause de la Avodah Zara. Si Am Israël n'aurait pas fait la Avodah Zara, les autres nations seraient rapprochées à Kadosh Baruch Hu, ils auraient perdu ces mauvaises forces qu'ils avaient en eux. Quelque part, puisque Am Israël n'a pas guéri les nations, Am Israël ne peut pas être influencé, se comporter comme les autres nations pour survivre. Et donc, il va en diaspora, il n'attrape plus de place sur la scène politique dans le monde. Et regardez ce qu'il dit. Azavnu et ta politica olamit mais honest chez Yeshbo Ratson Pnimi. C'est un cas de force majeure, la diaspora. Qui peut dire que la diaspora était une volonté? Mais quelque part, il y a une volonté interne de la Shrina, de la Neshama. Ad asher tavo et meushara, jusqu'au moment où il va venir un moment, chez Ye Efshar Lenael Mamlacha, Belo Risha'a ou barbariut. Un moment que Am Israël pourrait diriger un royaume sans méchanceté, sans comportement barbare. On le voit bien aujourd'hui dans Am Israël. Même nos ennemis, on n'est pas capable de les tuer, de faire du mal. Vous pouvez voir des soldats qui ont tellement pitié d'une femme qui prend un bébé et derrière il y a un terroriste qui se cache. C'est parce que ceux qui se réveillent maintenant dans ce royaume de Am Israël, c'est d'essayer, de vouloir, de créer un état, de créer Am Israël qui se construit, les bases de la construction ne vont pas venir sur du sang. Ça, c'est les bases de la Géoula. David Ameler, il a fait des guerres, beaucoup de guerres. On s'identifie tous avec David Ameler. On chante David Meler Israël, Chai Vekayam, le quatrième pied du trône. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à David, tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Ton fils Shlomo, pourquoi? Tu as du sang sur les mains. Du sang de qui? De nos ennemis. J'ai protégé mon peuple. C'est du sang. C'est du sang. Am Israël, la construction de Am Israël doit être saine dans le monde entier. Et finalement, et on va comprendre avec ça ce qui se passe autour de nous-mêmes aujourd'hui. Zehu azman shanu mekavim. Mouvan adavar, il est évident shekedel ha'agshimo anu tzrichim leitorer bekochotenu kulam leishtamesh bechol ha'emtzaim shehazman mevi. Il est évident que pour arriver à un état, et le Rav parle à l'époque, il faut faire tous les moyens qu'on peut. Ce qui comprend la martère et juive de l'époque, le Rav était conscient, le Rav encourageait à l'époque les jeunes à aller faire la guerre avec les Anglais pour obtenir quelque part une position de force sur Eretz Israël. C'est en quelle année ça? C'est dans les années de la Première Guerre mondiale. Il y avait la brigade, il y avait les juifs qui venaient, qui sont venus avec les Anglais. Mais, à Kol Yad El Borel Kol Olami Menalet, c'est vrai que la main d'Akadosh Baruch Hu dirige tout. Avala Yichur ou Yichur Mukhrach. Ce retard de Geoula, c'est obligatoire. Il faut se nettoyer. Bachala Nafshenu, Bachataim Ayumim, Shelanagat Mamlacha Be'etra.
l'âme juive ne supporte pas, n'est pas capable de créer, de fonder un État en versant du sang de quelqu'un d'autre, en faisant du mal à quelqu'un. Il n'est pas capable. Regardez, rien qu'il suffit de voir les guerres de paix des peuples qui sont venus, qui ont essayé de venir ici. Rien que les croisades. 12 ou 13 croisades pour monter en Eretz Israël. Non, pas rien que massacrer les gens qui étaient là. Ils ont massacré tous les juifs dans le chemin pour venir en Israël. Ainsi les autres. Les Moudjahidines de l'époque. En allant quelque part, ils ravageaient tout. Am Israël, c'est pas ça la guerre de Am Israël. Un des signes du Mashiach, c'est Uberuach Piv Yamit Racha. Avec les paroles de sa bouche, il va tuer le Racha, pas avec les mains. Vous savez que Shabtai Tzvi, qui s'est pris pour un messie, le sultan l'a mis en prison. Il était en prison et les juifs ont donné de l'argent aux gardiens. Cette prison est devenue un palais. Il y avait une chambre, il avait une chaise plus belle que celle du sultan. Et tous les juifs du monde entier venaient lui amener des cadeaux. Il y avait le Taz qui vivait en Russie. Il a envoyé son gendre pour aller vérifier Shabtai Tzvi. Il est venu, il a traversé tout le chemin, il est arrivé en Turquie chez Shabtai Tzvi, il était en prison. Il lui a raconté que le gouverneur de la ville, c'est un antisémite, c'est quelqu'un qui fait tellement de mal à la population juive. Shabtai Tzvi a entendu ça, était furieux. Il a vu une plante qui poussait à côté, il lui a dit, regarde, quand je vais arracher cette plante, la vie de cet homme sera arrachée du monde. Il a pris la plante, il a arraché. Le rab a noté l'heure. Le jour, il est retourné. Quand il arrive en ville, il entend que le gouverneur est mort. Il demande quel jour, on lui dit que c'était le jour où il est parti voir Shabtai Tzvi. Et l'heure, exactement la même heure. Il a dit donc, Vadaï, c'est Mashiach. Il est parti raconter ça à son beau-père, tout content. Oui, Melech Mashiach. Il a dit, ça me montre que ce n'est pas le Mashiach. Le Mashiach Beruach Piv, avec sa parole, Yamit Racha, il extermine le mal. Il n'a pas besoin de faire des gestes avec la main. Am Israël, quelque part, la Géoula de Am Israël, si on est là pour amener la Géoula dans le monde, pour dévoiler une lumière, c'est pas pour faire une guerre comme que tous les goyim ont fait. Pour dévoiler qu'autrement on peut faire. Et donc c'est pour ça que la Géoula se retarde. Pour ne pas qu'elle aura besoin d'arriver à des grandes guerres pour combattre, pour expliquer au monde entier quelle est la place du peuple d'Israël. Il est évident qu'on a souffert des fleuves de sang, surtout en Europe. Mais Am Israël, pour la construction de Am Israël, il n'y aura pas du sang versé. Par rapport aux autres guerres, si on voit que les guerres de Am Israël sont des guerres extraordinaires. Des guerres. La plus grande crainte dans la guerre, c'est même pas pour nos soldats. Comment on peut diminuer les dégâts dans la population civile de l'ennemi? Ça, c'est Am Israël. Bachala nafshenu, bachataim ayumim shel hanagat mamlacha be'etra. V'hine hegi hazman, karov meod, ha'olam mitbasem, ve'anu nuchal kvar la'achin atzmenu. Ki lanu kvar efshar yeh lenahel mamlachtenu al yesodot hatov, ha'chokhma, ha'yosher, ve'ha'ara ha'elohit. Quand les nations deviendront plus pures, ils comprendront la grandeur de Am Israël. Et ça, on le voit devant nous, des pays entiers,
qu'ils sont en train de changer d'un côté à l'autre côté complètement. Ils ne peuvent plus supporter des rois, des dirigeants qui font passer de père en fils et qui bourrent la tête du peuple, qui veulent que le peuple entier croie ce qu'ils croient. On voit ces changements devant nous. On voit que l'humanité change, espérant que ça changera pour le bien. Mais ce sont des étapes où que le monde prend conscience. C'est évident qu'avec toutes les guerres que le monde a passées, surtout les dernières guerres, mais vadaï que le monde est devenu plus humain qu'avant. Avant la guerre, avant 1938, aujourd'hui, c'est évident que les hommes ont changé. À l'époque, il n'y avait aucun pays qui envoyait, quand il entendait un tremblement de terre quelque part, pour aller aider. C'est peut-être bon, maintenant le pouvoir est moins fort, je pourrais prendre là-bas. Personne qui a envoyé de l'aide pour la famine en Afrique. Personne qui s'intéressait à un peuple malade dans un coin du monde. Il y a des choses en grand dans le monde, des choses qui ont changé. C'est vrai qu'il y a, évidemment, il y a des faiblesses et des obscurités. Mais le monde, quelque part, devient meilleur. Dans le regard global, il devient meilleur. Les gens comprennent plus. Il y a une valeur de la vie d'un homme. On investit dans la médecine parce qu'on comprend c'est quoi l'importance de l'âme. C'est quoi l'importance d'un homme. Et dans ces moments-là, c'est là les moments, les grands moments où qu'on peut fonder Bémet, qu'on peut amener une Géoula. Yaakov, Shalach le'Esav, est à Pourphira. Pourphira, c'est un habit rouge. Quand Yaakov a donné des cadeaux à Esav, en allant vers Seir, il lui a envoyé un habit rouge. L'habit rouge, c'est pas l'habit de Yaakov Avinu. Regardez, si vous regardez, tous les drapeaux européens, ils ont tous la couleur rouge. Tous, sans exception. Sauf, je pense, un pays, l'Irlande, avec du bleu et des étoiles jaunes. La Grèce. Pratiquement tous ont le drapeau rouge Edom. Edom l'Ilvoucher. Ou Esav Avi Edom. Esav a choisi le rouge, a choisi le sang. Il a fondé toute sa force sur du sang qui a été versé. Cherev, l'épée, c'est la bracha que son père lui donne. Yaakov Avinu lui envoie cet habit. Je ne veux pas. C'est toi qui vas t'habiller avec le rouge, et moi, je vais venir après. Achechen avoy el Adoni Seira, kilashem amlucha u'moshel bagoyim. Rien qu'après. Ve'alu moshim be'ar tzion, lishpot et aresav. Ovadia, qui était un converti, qui vient de Edom, qui a donné cette prophétie sur Edom. Ya'avon ha'adoni lifnei avdo, en ha'davar kedai le'yaakov, לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. יעקב אבינו ne veut pas attraper une place au pouvoir quand on a besoin de l'obscurité pour dominer, quand on a besoin de force, quand on a besoin de faire mal pour rester sur scène. בעת שטובעת כישרון של רשעה, quand c'est les forces mauvaises qui peuvent tenir les bonnes forces. Sans calme. Anachnu kibalnu rak et hayesod kefi ha'echrach liyased uma. Kevan shenigma la geza udachnu limloch bagoyim nitpazarnu venizranu bemarmekei ha'adama. Am Israël, en recevant la Torah, ces notions de lot irtzach, de lot ignov, lot achmod eshet re'echa, toutes ces bases humaines extraordinaires qui ont fait de Am Israël un peuple, Am Israël, c'était là, il fallait faire une guerre pour donner une certaine place à Am Israël. Et quand Am Israël était assez fort, Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas
Cheshbonot Shamayim. Mais il faut faire un tikkun dans le monde entier, il faut ramener le monde vers le bien. Ça prend du temps. Et Akadosh Baruch Hu a destiné à Israël. Abraham Avinu, quand il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Bameda ki Rachena, de quoi je pourrais savoir que je mériterais cette terre? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Yadoa teda ki geri ezaracha be'eretz lo'lahem. Et les Mefarshim, tout le monde pose la question. Il a demandé avec quel signe je saurais que Eretz Israël reviendra à mes enfants. Je suis un homme âgé. Tu me promets un peuple. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai rien. Alors quoi, la réponse à Akadosh Baruch Hu lui promet une diaspora pour ses enfants 400 ans en Égypte? Mais la réponse de Arizal explique, c'est pas ça. Le secret, sache du fait que tes enfants vont réparer le monde, vont descendre en Égypte, vont réparer, vont ramener à la Emouna en Égypte, c'est avec ce mérite qu'ils recevront Eretz Israël. Ça c'est Bameda. Quand ils seront 400 ans en Égypte, et ils vont causer aux Égyptiens de crier à Hachem ou à Elohim, Mikamocha Ba'elim Hachem Paro cri. C'est là qu'ils vont mériter Eretz Israël. Et après, Akadosh Baruch Hu a envoyé au deuxième tikkun, Galut Bavel. Et après, Galut Edom. La dernière Galut, qui est Edom et Ishmael, pour réparer vraiment le monde. Et réparer un monde, ça prend du temps, qu'on irait. 2000 ans de diaspora. Am Israël a été semé. Semé. Caché. Dispersé. En 1938, il y avait 20 millions de juifs dans le monde. 20 millions de juifs. Aujourd'hui, nous sommes 13 millions. Et on prend beaucoup plus de place dans la scène mondiale qu'à l'époque. Qui parlait à l'époque? Du moment que l'État d'Israël a été créé, si vous rien que vous cherchez, aujourd'hui sur Google, information, vous tapez Israël, vous allez voir en pourcentage d'information mondiale combien de place prend Am Israël sur la scène. Beaucoup plus. On prend peut-être 2-3%. Ça veut dire comme s'il n'y avait que 50 pays dans le monde. Am Israël est devenu un Am. Il s'est fondé sur des bonnes bases, sur des bases humaines. C'est vrai que ce sont des bases que peut-être on aurait voulu que ce soit plus vite. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se salit. Donc, ça prend du temps. Mais quand on se pose cette question, on a mal. On dit quoi? 2000 ans pour réparer l'humanité? Nous, on dit, alors, c'est peut-être pour... Alors maintenant, est-ce qu'on a été expulsé d'Eretz Israël parce qu'on devait réparer l'humanité? Ou parce qu'on a fait des fautes? Alors le Rav nous dit, dans la lettre d'Alet, il explique, pour ne pas qu'on se pose cette question, il nous dit, l'oulechet à Hegel, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, ayu haoumot yoshvot Eretz Israël, mashlimot im Israël umodot lahem. Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, les goïms qui étaient là en Eretz Israël, on le dit dans Azeshir Moshe, Shamon Amim Irgazun, Hil Ahaz, Yoshve Pelachet, Az Nivalu Aloufe Edom, Ele Moav Yochaze Morad. Les peuples entiers tremblaient. Tipol Alem et Matavafahad, Bigdol Zero Achaid Muka Aven. Adia avor amcha Hashem, quand le peuple d'Israël va rentrer, Adia avor amzukanita. Et tout de suite, ça devait se passer, Tevi emo, Vetita emo, Be'ar nachalatra, ils vont rentrer, ils vont s'installer en Eretz Israël. Quand il y a eu la faute du veau d'or, ces nations se sont réveillées contre Am Israël et sont restées sur place pour lutter, pour faire la guerre avec Am Israël. Sinon, Am Israël serait rentré en Eretz Israël tout de suite. Les peuples seraient sortis. Il n'y aurait pas eu de guerre. Il y aurait eu exactement comme la muraille de Jéricho qui est tombée.
ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. כל המשיח והבניר, il n'y aura pas de guerre. וכיתה תוך חרבותיהם, toutes les armes, on va faire avec les armes, les tracteurs qui vont labourer la terre. דרכי שלום. Le Mashiach va dire une phrase, Beruach Pivya Mitracha. Tout le monde va reconnaître cette vérité. Il n'y aura pas de guerre. Rakachetz Garam, Venit Acher Adavar Alfeshani. La faute qui a enchaîné une autre faute, qui a retardé la Geoula, de Geoulat Mitzrayim qui devait être la Geoula finale, qui l'a retardé de quelques milliers d'années. וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. Le Rav nous dit tout ce qui se passe dans le monde depuis que Am Israël est devenu un peuple, c'est pour amener la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Quand Am Israël ne l'a pas amené en ayant un bon comportement en Eretz Israël, ils ont dû sortir en galoute pour amener, pour éduquer le monde, pour leur donner cette lumière quelque part, puisqu'ils n'ont plus cette force d'éclairer tellement fort sur le monde, ils ont besoin de sortir. Toutes les idées humaines que les goyim ont développées sont à la base des juifs qui ont dévoilé tout ça. Toute la Freud, tous les comportements, le marxisme, tout est juif, le socialisme. Même la Torah, la Bible même, elle a enseigné toute la base de toutes les midotes, le comportement du couple, le comportement de la société, les salariés. Donc, le inyan de tout ça, c'est d'amener la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et quand la faute du Vaudor va s'effacer complètement, il n'y aura plus cette racine du mot d'or. La Gemara nous dit « En lecha d'or, shen bo pour un autre mechet à egel. » Il n'y a pas une génération qui n'y a pas le mechet à egel qui rentre quelque part. Quand ça va se terminer, en fait, et ça c'est le Rav à expliquer, on a vu ça dans Zeronim, avoir une image de Emouna fort en Akadosh Baruch Hu, une image, chaque juif va découvrir Akadosh Baruch Hu comme Abraham Avinu, qui a découvert Akadosh Baruch Hu, pas parce que son père lui a enseigné. Comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu, parce que tu l'as compris, pas parce qu'on l'a transmis. Ça c'est le but que le Rav a expliqué de la Kfira des dernières générations. C'est parce que même dans Am Israël avait besoin d'un mouvement qui va réveiller à chercher Akadosh Baruch Hu en soi, pas à avoir des fois des déformations de la Emouna, qui a été déformée souvent. Donc là, il va y avoir vraiment la réparation de la faute du Vaudor. Omime le kol rohem yekirum, ki em zera berech Hashem. Quand quelqu'un vraiment se comporte comme Kadosh Baruch Hu désire, veraou kol avei haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, veyarou mimeka. La Torah nous dit que quand les goyim vont te voir, vont voir le nom de Kadosh Baruch Hu sur toi, ils ont peur. Adam Shalem, il voit devant un homme. Adam. Ve'aolam yetukan be'orach shalom ve'rikshe ahava. Le monde va être réparé avec shalom, avec amour. Ve'noam Hashem yuchash bechol levav le'aneg ruach ule'aden neshama ve'lakol ba'em tchiya nefesh kol chay. Là, ça donnera la vie dans le monde entier, dans l'humanité entière. Alors, maintenant, on va passer à expliquer pourquoi il y a autant de guerres chez les goyim, de guerres terribles qui ont fait autant de mal dans le monde entier. Si on regarde
les plus grandes guerres, destructives complètement, étaient dans le dernier siècle. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de guerres avant, mais il n'y avait pas des guerres avec 30 millions de morts, 40 millions de morts. Et quand on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, dans nos siècles, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça ne se passe pas avant? Le Rav explique, regardez ce qu'il explique. Akvisha Moussarit, Shalpia Tarabut, Achilonit, Shalta Arbe Ala Amim, Eika Alibam. Ils ont fait des règles de Moussar qui étaient complètement faux. Les règles, la bourgeoisie, les ducs, etc., toutes ces sociétés, quand on lit dans les livres d'histoire, c'est beau à lire, mais imaginez-vous d'être à l'époque, d'être quelqu'un qui n'a pas eu le mérite de naître dans une famille des loin, parce que je suis né fils d'un tel, j'ai le droit, je gouverne tel et tel. On a parlé maintenant dernièrement beaucoup du mariage en Angleterre. Et tu te dis, roi de coin. Ce royaume anglais, c'est un royaume en fait qui n'est même pas anglais. À la base, ce sont des Allemands. Cette maison de royaume, c'est une maison allemande. Et tu te dis, en quel droit, que ce soit, peu importe l'importance de l'homme, peut-être il mérite ou il ne mérite pas, c'est bon. Mais comme homme, comment quelqu'un a le droit de prendre l'argent? En fait, même l'argent des rois anglais, est-ce que c'est de l'argent personnel? C'est de l'argent de l'État. Tu peux mettre autant d'argent quand il y a des pauvres anglais qui sont peut-être plus anglais que ces princes anglais. Ça, c'est le moussard de l'époque, l'égoïme. Et contre ce moussard, ces règles, et si tu parles avec un goy, il te dit, mais c'est clair qu'il mérite. C'est un prince. C'est clair. À l'époque, avec Louis XIV, Louis XVI, le roi soleil, Louis XIV, tellement de mal que ces gens ont fait à l'humanité. Ils ont construit des palais entiers, des grands palais quand les gens n'avaient pas de quoi manger. Quand un cinquième de la population est mort de famine, et on n'avait pas le droit de parler du roi parce que c'était presque Dieu. Le Rav Mordechai Eliyahu, son fils l'a écrit même dans le livre, moi je l'ai entendu du Rav, est parti en France, était accueilli par Jacques Chirac. Et le Rav était connu avec sa tendance pour Eretz Israël. Évidemment que même le consul israélien avait peur des conséquences du résultat de la rencontre avec le pouvoir. Et le Rav qui est accueilli aux Élysées. Et avant de rentrer, tous les invités, on les fait passer, on veut leur montrer c'est quoi la France. Et le Rav, on l'arrête à côté d'un monument de Louis XIV, on dit ça, on avait Louis XIV. Il dit, ah, c'est qui Louis XIV? Et celui qui renseigne, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ne sait pas c'est qui Louis XIV. Qu'est-ce qu'il a fait Louis XIV? Et il finit de raconter, il dit, il était bien ou il n'était pas bien pour le peuple? Moral ou pas? Moral ou pas moral? On lui dit, pas tout à fait, mais c'est notre culture, on a besoin de la présenter. Et ensuite il continue. Et il continue, il arrive à Napoléon. Même Napoléon, il ne sait pas c'est qui Napoléon. Il était bon pour la France ou il n'était pas bon? Combien de Français sont morts à cause de lui?
On lui dit, il dit, s'il était bon, alors pourquoi vous n'avez pas laissé ce chemin? Non, il n'était pas bon, on a dû faire. Et finalement, quand ils ont commencé à parler après de la paix, de la moralité, le Rav a dit, vous m'avez montré tout ça. Et vous avez dit que vous ne pouvez pas ne pas montrer, c'était une partie de l'histoire. Yerushalayim, c'est chez nous plus que ça dans l'histoire. C'est plus que Louis XVI, Louis XIV, Napoléon dans l'histoire. Comment vous pouvez penser qu'on peut donner Jérusalem, qu'on peut donner Eretz Israël? C'est notre histoire. Chirac a dit, j'ai jamais entendu un Rav. Quand le Rav a compris que le consul essayait de, un peu de, d'arranger, il a demandé au rabbin ces trucs de dire exactement ce qu'il dit en hébreu. Et Chirac a dit, j'ai pas vu un homme franc comme toi. Il lui a donné le Légion d'honneur. Et dès que le Rav a reçu, il a cassé parce qu'il y avait une croix dessus. Il a détruit. L'égoïme, la politesse d'égoïme, cette fausse politesse qui a attrapé des générations entières. L'âme n'était pas d'accord de recevoir ces règles. Mais il y avait une force avec les soldats, le mouvement qui a attrapé les gens. Et quand ça a explosé, ça a tout explosé. C'est sorti en guerre, en grande guerre. Toutes les mauvaises midotes, le mauvais caractère. Parce qu'il faut savoir que le moussard, un homme ne peut pas arriver à des règles morales. Impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? Parce que comment l'homme a fixé le mode de comportement? Le modèle de comportement, comment on a fixé? Il y avait 10 personnes, par exemple, admettons, qui se sont réunies entre eux. Ils ont dit, si je fais ça, à qui ça dérange? Il y a eu 2 qui ont levé le doigt, ils ont dit, nous, ça nous dérange. 8 qui ont dit, nous, ça nous fait plaisir. C'est choisi comme un bon modèle de comportement. Du moment que ça dérange la majorité, ça devient déjà un mauvais comportement. Donc ces bases sont toujours humaines, basées sur un bien d'un homme, sur un inconvénient, quelque chose qui aide à quelqu'un mais qui fait beaucoup de mal à l'autre. Ça, c'est les bases de moussard qui ne sont pas basées sur la Torah. Nous, notre moussard à nous est pur, parce que ce n'est pas un moussard humain. C'est un moussard de Kdusha, d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui a donné les règles. Comment il faut se comporter dans le monde? C'est pour ça que le moussard de la Torah ne peut pas y avoir une faille, ne peut pas tomber, ne peut pas, on ne peut pas aller dans des déviations terribles. On ne peut pas arriver dans des guerres qui ont tué tellement de personnes, des guerres civiles. On ne peut pas arriver à un modèle d'exploiter tellement le peuple et de faire autant de mal. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית ששלטה הרבה על העמים מעיקה על ליבם והרבה מידות רעות חולאים וקצפונות beaucoup de mauvais caractères de maladies mentales קצפונות la colère נצברו במעמקי נשמותיהם le rame était rempli de tout cela והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. Quand le caractère, l'âme n'est pas pure, donc quand il rejette, il jette toutes les mauvaises choses qu'il y a en lui. Il n'est pas assez fin. Quelqu'un d'intelligent, de sage, comment il fait sortir une critique? Par sa bouche, des fois même pas par la bouche, par un petit clin d'œil, il bouge sa tête, tu comprends qu'il n'est pas content. Mais quelqu'un qui n'est pas fin, comment il exprime son mécontentement? Comment? Il casse tout ce qu'il y a à côté de lui. Ça, c'est la guerre d'égoïme. L'âme n'est pas pure. Il y a beaucoup de mauvais comportements là-dedans. Comment elle se rebelle? Elle a besoin du sang. Et avec ça, vous voyez, vous pouvez comprendre le niveau de l'humanité selon les guerres. Comment ça se passe? Évident que Ishmaël, il est beaucoup moins fin que Edom en ce moment a dépassé Ishmaël quelque part. C'est Ishmaël qui est resté, c'est Galout Ishmaël. Quand on voit des gens qui coupent des têtes, qui font des choses terribles,
tu comprends que c'est la méchanceté qui est restée dans l'âme, qui déborde et qui sort, qui n'a pas cette finesse de vouloir lutter en expliquant, en parlant, en criant. Ils ont besoin de l'arme, de la force, de la main, du sang, pour imposer à l'autre son avis, pour essayer d'imposer un modèle de comportement qu'il souhaite. Kol ha'amim mitpatrim ve'yotzim el ha'po'al al yedei tnu'otehem ha'tiv'iyot. Chaque peuple, il a des choses, il a, j'aurais pas dit d'éthique, pas d'éthique, mais un comportement qui le caractérise, qui lui donne un caractère spécial. Et quelque part, les guerres, les grandes guerres qui se sont passées dans ce siècle, c'était plutôt des guerres d'idéologie quelque part. Si on regarde la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'idéologie. Quelle idée va dominer le monde? Quelle idée va donner le ton? Des débats terribles entre communisme, nationalisme, capitalisme de l'autre côté. Des guerres qui ont fait tellement. Pourquoi? Pour, en fait, pour définir le caractère de chaque nation. Quand les caractères étaient mélangés, chacun veut se donner un caractère spécial. Montrer en quoi il est différent de l'autre. Elle est où sa particularité? C'est ce qui a donné, qui a réveillé toutes ces guerres. Ah, chez Mitbalet et Tsurato, Veyotet et la Poral, Beagmara, Bechol Praté en Makir. Am Israël, ou aspect Claria Clarit, chez le Kola Olam. Am Israël, c'est l'image du monde entier, c'est celui qui donne cette image claire, entière. Parce que là, la Torah, elle est liée à Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'ils sont arrivés, eux, avec beaucoup de débats pour arriver à une idée, ça se trouve quelque part déjà dans la Torah. C'est dans les règles normales. Eux, rien que regarder en Amérique, combien ils se sont tués pour annuler l'esclavage. La guerre entre le nord et le sud. Chez nous, donc ces bases, le sud et le nord a gagné, il n'y avait plus d'esclaves. Sans donner cette force, et ça a donné quelque part la définition de l'Amérique. Ici, tout le monde s'en égale. Et c'est ce qui a donné le caractère de cette nation. Si tu parles, le rêve aujourd'hui de chacun qui est, quand quelqu'un pense Amérique, c'est quelque part sentir cette égalité. Qu'ils ne l'ont pas. Par des niveaux sociaux qu'ils ont créés, parce que tout se mesure là-bas malheureusement avec l'argent. Mais ils ont donné une sorte d'image. Que quand tu regardes Am Israël, si tu regardes un peu rien que les bases du Chumash, tout c'est écrit dans le Chumash, c'est pas de grandes choses, c'est des choses simples, c'est des choses banales. Mais quand tu demandes à quelqu'un dans le monde, c'est qui, à ton avis, qui donne l'égalité, qui donne la même occasion pour tout le monde? On te dire l'Amérique. Donc quelque part, ça enlève la lumière de Am Israël, qu'il a déjà. Ça a comme beaucoup d'autres qualités. Mais comme il a tellement de qualités, il est tellement spécial, tu ne peux pas lui donner une étiquette. Ce que tu donnes à chaque nation, une étiquette. Ça, c'est l'égalité. Ça, c'est la liberté. Ça, chacun, il s'exprime d'une... Une chose, pas deux, trois, pas beaucoup. Am Israël, c'est Bebrinat Adam HaShalem. Parce qu'on est collé à Kadosh Baruch Hu. On a eu ce mérite de dire dans le mont Sinaï, Naaseh V'Nishma, ce que tous les autres peuples n'ont pas eu le mérite de le faire. N'ont pas osé. N'ont pas pris sur eux 613 mitzvot. De Kolzman,
שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש כהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. Tant que un pays n'a pas obtenu sa définition finale, cette force dans Israël non plus n'a pas été reconnue encore assez forte. Il nous faut que tous les goyim, chaque peuple, va faire sortir tout ce qu'il y a en lui pour montrer à tout le monde qu'en fait tout se trouve dans la Torah et tout se trouve dans Israël, dans le caractère de Israël. Et c'est pour cela, Alken, Bechol Zman Shemalchuyot, Midgarot Zubazou, Yotzim El Apoal, Tsiyurim Yuchadim, La Shlamatam Shelahamim, chaque fois qu'il y a des guerres entre une nation et une autre, il y a le caractère de la nation qui sort, qui prend sa définition, Umimele Yulad Koch Hashlama Bekneset Israël. Ça, c'est quand on veut voir, on veut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu fait des guerres. En quoi ça nous concerne, une guerre qu'il y a entre deux nations qui sont loin d'ici? Ça donne la définition de chez eux qu'ils vont retrouver finalement. Ils vont dire, on a lutté pourquoi? Les peuples vont se demander la question à la fin des temps. Pourquoi on a fait une si grande guerre? Et ils devront expliquer, quand un petit-fils demandera à son grand-père, pourquoi vous avez tué tellement? Pourquoi vous êtes entré à un si grand danger? Il va lui dire, est-ce que tu penses que cette valeur ne mérite pas une guerre? Et le petit-fils va lui répondre, mais tout ça c'est écrit dans la Torah. Et chaque peuple va trouver toute cette définition dans la Torah. Ça, dans ce moment-là, il y aura la Géoula Shlema. Tout le monde verra toute la beauté, toutes ces valeurs énormes qu'ils ont lutté tellement, tout était dans la Torah, et là, tout le monde reconnaîtra la force de la Torah, et ça c'est la Géoula qui arrivera, Bedar Keshalom. On va voir, ils se sont tués, ils ont versé tellement de sang, tellement d'âmes qui ont été perdues pour lutter pour des valeurs, en fait, sont écrites dans la Torah. Ça, c'est ce que les guerres nous font pour nous, pour Am Israël. C'est pour ça que quand on voit des guerres, on attend le Mashiach. Peut-être maintenant, il va venir. On met le Yulad Koach Hashlama avec Knesset Israël. Et il met sa pas, les raglos shel Mashiach, Shiyavo, Viofia, Bimera, Biyamenu, Amen. Valeurs, c'est pas un rapport, hein. Ils ont muté.